Salut les amis, c'est MM Simulator. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ultra spéciale pour tous ceux qui me connaissent bien et qui savent 2-3 choses sur moi. Vous savez peut-être que le jour où je publie cette vidéo, c'est le jour de mon anniversaire, voilà. Parce que je suis de tout début janvier, donc d'il y a beaucoup d'années. Enfin beaucoup, ça fait pas beaucoup, ça fait juste 23 ans. Donc voilà, donc j'avais décidé que pour mes 23 ans, j'allais ouvrir des boosters de Pokémon, mais je savais pas encore combien, voilà. Donc suite au dernier épisode, catastreux bien sûr, avec beaucoup de catastrophes, voilà, désastreux, on va plutôt dire ça comme ça, j'ai décidé d'ouvrir 6 boosters. D'ailleurs, normalement la luminosité doit être bien, bien mieux que la dernière fois, parce que... par contre c'est un peu bizarre parce que au final tout ce que j'utilise c'est une lampe torche clairement une lampe torche, voilà, donc qui éclaire mais vachement bien. Donc vous pouvez peut-être le voir en dessous, en fait sur la table elle est vraiment très très bien éclairée, bien mieux que dans les autres épisodes où j'utilisais seulement l'éclairage du plafond, voilà. Donc pour vous dire clairement que j'essaye de faire mon maximum pour vous procurer un truc assez joli, voilà. Donc je vais sortir 6 boosters, donc tac, donc on va en mettre, on va prendre 3 ici et 3 par là, voilà. Donc il en restera 10 et 10 normalement, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 et 10, voilà. Donc en gros il reste encore 2 mois de vidéo, donc j'en ferai une encore à la fin du mois et une autre à la fin du mois de février, voilà. À part si j'arrive à me procurer un autre display comme celui-là en français, où je pense que les 20 je les ouvrirai en une vidéo et les autres je les ouvrirai en 10 par 10 ou 20 par 20, je sais pas. Donc on a presque toutes les... Attendez, je vais en échanger une que je dois avoir en double. En fait, je les ai toutes en double, en fait. Ok. Celle que j'aime le moins, on va dire, Méga Florizarre. On va l'échanger avec un Méga Dracaufeu. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il en reste beaucoup. Bon, on va... Ouais, si on reste quelques-uns. Donc hop, on va s'ouvrir ces 6 boosters, ça va pas être une vidéo trop longue, je vais éviter en tout cas. Donc 6 boosters avec les 4 illustrations, voilà. Donc j'en ai 2 en double, Raichu et Mega Tortank. Donc tac tac tac, donc j'ai les 4 illustrations. Hop, donc ça me fait un peu chier que ce soit de l'anglais encore, mais on va essayer de faire avec. J'ai pas vraiment le choix de toute façon. Si je fais pas avec, et ben c'est mon problème, mais il faut que je fasse avec. Donc hop. Donc, et puis en même temps, ça me rappelle encore un peu mes cartes d'il y a longtemps avec voilà, avec les cartes que j'avais il y a longtemps plus donc le reste. Donc hop, comment je suis positionné? Ouais, bah c'est pas très grave. Comme ça, ça me permettra de bien incruster ma tête à quelque part. Donc, un Aspico, un Magikarp, une énergie obscure, je crois, ou sombre, ou je sais plus trop. Un Goupix, un Nidoran mâle, un Caninos reverse. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? À votre avis? J'en sais rien. Ah, je vois un petit truc qui brille. On doit voir quelque chose, je pense, non? Ah non, juste un Ratatouille. Ok. Pas de problème. Donc, Magmar. Énergie, je sais pas trop quoi. Lien spirituel Tortank. Donc, après, le truc, c'est que moi, il faut que je les range derrière. Donc, c'est un peu dommage. Donc, j'aimerais bien avoir quelque chose. Donc, voilà. Qu'on veut dire de plus? Donc tac, peut-être que je les offrirai les codes promo, parce que j'ai encore les codes promo, les codes online, puisque moi je sais même pas ce que je vais en faire, parce que je suis bien cadré, ouais. Donc un petit sac de nœuds, Starry,
un petit Energy Combat, un petit Magikarp, un petit Onix dont j'ai eu beaucoup dans les deux dernières vidéos de Pokémon Go, à moins que la dernière ce soit celle pour moi qui est l'une des meilleures que j'ai faites, avec la capture de Magikarp, etc. etc. Je ne vais pas vous dire si je ne voulais pas monter. Donc voilà. Donc le Starry en reverse qu'on a déjà eu au début du booster. Donc est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière? Eh ben non. Un Dardanian. Et maintenant, et un Tétarte. Avec Vaillance de Pierre, si je me trompe pas. Donc là pour l'instant on a ouvert que deux boosters et deux rares. Ah c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que là c'est vraiment dommage. Donc, déjà, hop. Je crois que j'ai vu quelque chose. Mais je vais pas. Oh, on le voit un peu. Un décès. Petit truc noir au milieu là. Donc un petit Caninos, ce qui est l'un de mes. Pour moi c'est l'un des Pokémon préférés de la première G. En fait, Caninos, c'est vrai que c'est un Pokémon que j'adore énormément. C'est vrai que moi en fait tous les Pokémon de la première G, je les aime bien. Donc énergie obscure. Ah non, énergie acier avec Starry. Un petit Soporifique. Un Electek. Un Machopper que j'ai déjà eu dans la dernière. En reverse. Et oh ah ah. Ah, je crois que je sais ce que c'est. C'est Vaillance d'Ondine en full art, je crois. Voilà. Donc, hop, elle est vraiment très jolie. Même si je préfère encore les autres avec le skin de base. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais bon, après, elles sont pas moches, hein. Elle est pas moche, Ondine. Hop. Donc, on a eu une full art. C'est plutôt pas mal, je crois. Non, j'en ai pas eu, je crois, full art. Donc après, on a trois trainers, vu qu'elles ont glissé. Donc spread des évoluants, Vaillance de Pierre et bien spirituel Flagados. Ok. Donc on passe au suivant. Il en reste plus que 3. On a une quand même une full art, hein, on va pas se plaindre. Donc tac. Le petit code online. Peut-être que je les filerai, je sais pas, parce que j'en vois pas l'intérêt de les garder vu que moi je les ouvre pas. C'est pas très grave. Donc un petit Machoc, un Caninos, qui est l'un de mes Pokémon quand même préférés de la première G, comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec Dracaufeu, Salamèche dans toute la série. Energio. Avec. C'est vrai que ouais, moi c'est Caninos et Dracaufeu. Dracaufeu, Salamèche, Rapunzel, c'est mes Pokémon préférés, avec Arcana aussi. Je pense, après, moi je sais que je les aime à peu près tous quand même dans la première génération. Après, bon, je me désivre un peu là. Donc là, on a Chrysacier en reverse. Qu'est-ce qu'on a derrière, s'il te plaît? Ah, un Lamantine en rare. Donc j'ai vraiment pas de chance parce que sur 6 boosters j'ai déjà eu la moitié où il n'y a que des rares. Donc ok, donc Pokédex, Conconfort et Potion. Donc ouais, c'est vrai que parfois j'arrive à dire des conneries même quand je joue ou que je fais des trucs sur Pokémon Go. Donc excusez-moi si parfois je dis Chrysacier au lieu de Conconfort ou vice versa. Parce que c'est vrai que quand on filme, on n'a pas tendance à réfléchir quand on parle en fait. Et souvent on dit n'importe quoi. Voilà. Et je vois que je sais qu'il n'y a pas que moi qui fais ça, mais bon, voilà, je vous dis ça comme ça. Que c'est pas. C'est vrai que c'est assez prenant en fait de faire des vidéos et on réfléchit pas quand on parle et voilà. Donc un Chenipan, un Soporifique. Ouais, Soporifique. Un Topiqueur. Un. Est-ce que je suis bon encore? Ouais. Un Salamèche, un Otaria, un Electrode en reverse. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh ouais. Donc c'était une rare reverse alors. Ok. Ok. Il n'y a pas un petit pépin là? Ils se sont pas trompés dans les cartes.
Ok. Ok, ok. Ouais, bon bah. Nidorino 1. Ouais, donc. Double énergie incolore. Un spirituel Dracofeu. Ok. Donc, c'est le dernier booster. Bah, j'ai pas été très gâté. Hein. Mais c'est bizarre, ce booster est vraiment très bizarre. Ces boosters, ce display, plutôt. J'ai encore eu aucune secrète. Aucune. Donc, est-ce qu'elles sont plus rares dans les anglaises que dans les françaises? J'en sais rien. Mais j'ai encore eu aucune fucking secrète. Donc voilà. Et moi, ça me paraît un peu bizarre. Donc, un petit Sabelette avec un petit Goupix. Avec un petit Electek. Ah, j'ai vu un petit truc. Ça brille sur les côtés. Un petit Soporifique avec un petit Poditeur qui s'écrit pareil en français. Un Vaillance de Pierre en reverse avec un Dracofeu X. Ok. C'est cool. Donc déjà, on aurait eu au moins deux X. Hein. Je crois. Ouais, non. Non, non, on a une Full Art avec. Donc, un 10 du Professeur Chen. Et Crise Acier avec Échange. Bon. Ok. Donc voilà. Bon, bah, on n'aura pas eu tant de choses que ça. Donc j'espère que cette vidéo, parce que là en gros on a eu donc le Dracofeu X, après les rivers, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais c'est vrai que je me rends compte que dans et Détermination d'Ondine en Full Art, mais je remarque qu'en fait dans les anglaises j'ai encore eu aucune secrète, aucune. Toutes les secrètes, j'en ai pas eu une seule. Donc, est-ce que c'est qu'elles sont plus rares en anglaise ou je sais pas trop quoi. Mais, pour l'instant, j'en ai pas eu une seule. Voilà. Donc, moi, ça me casse un peu les pieds, dans le fond. Mais bon. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de faire ça comme cadeau d'anniversaire pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'ouvrir ces 30, les 20 boosters qui restent. Mais ce qui me déçoit, c'est que j'ai encore eu dans ce display aucune secrète. Et il me reste que 20. En gros, j'ai ouvert presque la moitié du display, quoi. Donc ça me fout un peu les boules. Après, peut-être que j'ai mal choisi aussi. Hein. Parce que normalement, il me semble que dans chaque display, à peu près, il y a toutes les secrètes contenues dedans. Et j'ai encore eu aucune secrète. Donc est-ce que c'est que je sais pas, j'ai mal choisi ou Dieu ne sait pas. Je sais pas, personne ne sait. Et on verra de toute façon dans les prochaines ouvertures. Donc j'espère que l'éclairage était bon. Normalement il devrait être très bon. Donc si je l'enlève, vous allez plus rien voir ici en fait. Mais c'est juste une lampe torche qui éclaire vraiment très très bien. C'est d'après, parce qu'en gros je l'ai acheté sur Amazon. Et c'est une lampe torche normalement militaire plutôt. Donc avec batterie rechargeable et tout le bordel et tout le tintouin. Et moi franchement je la trouve super bien. Donc peut-être que je vous ferai des présentations sur beaucoup de choses. Pour l'instant j'en ai quelques-unes en tête. Et ça en fait partie. Parce que j'en ai plusieurs. Et les comparer, dire pourquoi je les ai achetées et pourquoi... je pourrais les utiliser et quelle serait leur fonction principale. Voilà. Donc dites-moi si ça vous ferait plaisir une petite vidéo comme ça. Et on se retrouvera dans le prochain épisode pour la suite des ouvertures de booster. Ou dans la suite pour... bah pour... qu'est-ce que je peux vous dire? Pour... voilà, pour... pour du jeu vidéo ou pour quoi que ce soit d'autre, on verra bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, on se retrouvera dans un prochain épisode de Dieu ne sait quoi. Voilà. Donc c'était MM Simulator, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.